Bonjour et bonjour à tous. J'espère pour vous que tout va bien. C'est Poké.41. J'espère pour vous que tout le monde va bien. Moi, je vais toujours nickel aujourd'hui, surtout parce qu'aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale. Aujourd'hui, pour les 1 an de ma chaîne YouTube, on se retrouve pour une vidéo très, 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 très spéciale où je vais vous faire voir toute ma collection de cartes Pokémon, toute ma collection. Voilà. J'espère que vous, ça va vous faire plaisir cette vidéo qui va durer longtemps. Ça va peut-être durer 10 ou 20 minutes. J'espère pour vous que vous avez tous passé d'une bonne année. Sauf désolé de mon absence qui était très très chiant. Ouais, vraiment désolé. Je suis encore une fois navré, désolé. Qu'est-ce que je pourrais dire de la chaîne aussi? Je remercie beaucoup aussi pour les 30 abonnés. Ça m'a fait un grand plaisir. Ça m'a fait un grand touchement de ma première chaîne. La chaîne la plus longue qu'on a fait de l'année. On va continuer comme ça avec Poké.41, j'espère. Pas que cette chaîne, ce nom de la chaîne vous fait plaisir. Si vous voulez me dire dans les commentaires si ça vous fait plaisir, moi ça me fait un grand plaisir de vous faire des vidéos souvent. Sauf des fois de mon absence, comme là, ça a duré un peu. Ça a duré trop, un peu 2 jours de mon absence parce que je savais pas quoi vous faire de vidéos. Je réfléchissais dans ma tête de quoi vous faire de vidéos pour vous présenter. Voilà. Je savais pas quoi vous faire de vidéo, j'ai réfléchi pendant 3 jours pour les 1 an de la chaîne. J'ai trouvé vous faire voir toute ma collection, il y en a plein de belles. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Aussi, c'était très très dur pour l'année 2021 avec mon comportement. Maintenant, ça, je vais très bien. Je vais mieux qu'avant, je vais depuis 3 mois. J'essaie de faire tout le nécessaire pour prendre un petit studio sur Bannière de Bigorre, comme je vous avais dit. Et ça, c'est sûr et certain. Ne vous inquiétez pas. C'est mon frère. Voilà. Aujourd'hui, vous verrez, on va faire voir. Paraf. Volcanium. Zeozora. Ça, c'est des cartes espagnoles. Ça, c'est des cartes françaises. Ça, c'est une carte espagnole. Ça, c'est une carte française. Ça, c'est une carte espagnole. Non, ça, c'est une carte française. Excusez-moi. Rayquaza V, excusez-moi. Pikachu V, ça, c'est une carte espagnol aussi. Nicosia, ça c'est une V. C'est une française. Mimiki. Elle c'est une espagnole. Elle c'est une française. Elle c'est. Ouais, une espagnole aussi, je crois. Elle aussi. Elle aussi. Elle aussi. Elle aussi c'est une espagnole. Elle aussi. Elle non. Elle c'est française, elle c'est française. Donnez-moi une prise de Rayquaza X. Donnez-moi une prise de Rayquaza X. Je vous le dirai à la fin de la vidéo. Sivalier. Elle est française. Regardez, le gros. De me dire, mais combien depuis que t'étais absent, t'as fait des nouvelles affaires? Eh oui. Vous êtes prêts? Là, ça part en cacahuète. Mégaautoplasma, elle est magnifique. Elle est ma. Ça fait tirer la langue, ça ne dit rien de tirer la langue. Partien. Urmil. J'ai en train de chercher d'autres esprits pour la chaîne. Et vous voulez voir un truc aussi, attendez. Voyez? Vous avez je l'ai acheté aujourd'hui cette veste. Vous disiez que je me fais pas. Je vais essayer de faire des trucs pour vous. Maintenant. Ça, c'est des françaises pour vous dire. Char.
Charmander, Flambino, Poussifeu, il est trop choupi. Dis-moi les commentaires si vous trouvez mignon, Poussifeu. Rintintin, elle est vieille. Enfin, je crois que c'est presque la carte la plus ancienne du monde. Et Dragonfeu, je crois qu'elle s'est vendue dans le monde entier. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu sur YouTube, une vidéo. Elle s'est vendue 9000 euros. C'est vraiment des. Vraiment de. Je sais que Pokémon, ça devient de l'argent et de l'or. Et des beaucoup de collectionneurs. Oula, je tremble de la main, je sais pas pourquoi. Goupix. Ah là, c'est mieux. Famblino. Tiens, vous inquiétez pas. Je tremble de la main, je sais pas d'un coup pourquoi. Je crois que je stresse pour la vidéo. Lampiron. Péribus. Elle est française, elle est espagnole, regardez. Péribus, qu'elle est espagnole. Et pas pareil. Excusez-moi, les gars. Excuse-moi. Là maintenant, l'insou. En fait, pour vous dire, j'ai mis. Ouais, vous voyez qu'il y en a d'autres. Vous pouvez voir que j'ai bien trié quand même. J'ai mis typo, j'ai pris beaucoup de temps pour la chaîne. Pour la vidéo dans la chaîne. Elle aussi, elle est espagnole. Elle est très belle en espagnol. Dites-moi, c'est quelle. Moi, je sais quelles cartes sont les plus chères du monde. C'est cartes. Les cartes japonaises les plus chères. Elle aussi, elle est espagnole. Oula. Là, vous avez le tout choupignon Pikachu, comme mon t-shirt. Comme le pull, excusez-moi, parce qu'il fait. Un t-shirt, il fait. Jotoy. Espagnol aussi, Ziblit. El Manga. La prochaine, je vais chez ma mère pour dire dans une semaine. Fafouni est trop mignonne. Eva. Et toi, c'est qu'est espagnol. Eva. Ronflex. Là. Vous allez me dire, Corentin, pourquoi t'as autant de cartes? C'est une bonne question. C'est top secret. Je t'en. Regardez. Elle est magnifique aussi pour dire. Ah, elle est vraiment haut. On dirait qu'il doit mesurer 3 mètres, 3 mètres et 3 et 1000 kilos, ou une tonne ou 4 tonnes. 4 tonnes. C'est ça qui vous intéresse dans les commentaires, si vous avez aimé la vidéo. Après, je vais vous dire un top secret, nous deux. Regardez, elle aussi est espagnole. Crocodile. Ça aussi, c'est ça. Nous nourrissons.
Et voilà. On arrive dans l'étape clip. Maintenant, on arrive presque à la fin de la vidéo. Là, je peux pas tout vous faire parce que là, il y en a encore pas gardé, moi, ça. Allez, moi, ça, je peux pas vous faire voir, il y en a tellement. C'est les mêmes, en fait. Là, ça, je peux pas vous faire voir parce que ça, c'est trop, il y a trop de paquets là. Ça, c'est des, tout ça pour dire, tout ça, c'est des anciennes. Vous avez une qui est très belle. Vous allez me dire, waouh, elle est trop magnifique. Mieux brillante. Et je sais pas combien vous en vrai. Ils sont pénibles, sérieux, c'est youtubeur de. Super vague psy. Elle est brillante. Là, vous en avez une qui est très belle aussi, ma choque. Ma choque de obscur. Déoxys. Déoxys. Je vais voir tout. Attendez, je vous fais voir. Maintenant, je vous fais voir les nouvelles que j'ai juste. Il y a la toffe. Par sang, qui est très, 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 très belle. Galvara. Mon mouton. Oui, mon mouton. Tournicoton. Moi, j'adore comment dire. Vous voulez me dire c'est une blague, quoi. Hein, tournicoton. Tournicoti. Tournicota. Gou. Bou. Sabelette. Énergie. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On va parler un peu maintenant sur la chaîne. Cette année 2021, ça vous a fait quoi, la première chaîne YouTube, la première année de la chaîne? Ça vous a fait plaisir? Ça vous a fait comment dire ça? Comment je pourrais dire ça? Ça vous a fait quoi? Si vous voulez qu'on continue les chaînes de Pokémon? Si vous voulez qu'on fait d'autres vidéos sur d'autres choses? Quoi d'autre? Qu'on fait des vidéos sur quoi? C'est vrai qu'à Pokémon, je continuerai tout le temps parce que c'est ma passion. Les jeux vidéo Pokémon, c'est ma passion aussi. Pokémon Go, j'adore vous en faire aussi. J'adore vous en faire parce que ça me plaît beaucoup de vous en faire de temps en temps. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que vous avez pensé de la... Je sais que j'étais beaucoup souvent absent. Voilà. Ça, je sais. Je suis vraiment navré, désolé. Encore une deuxième fois. Qu'est-ce que vous penserez pour l'année 2022 de la chaîne? Qu'on fait quoi? Qu'on fait des vidéos sur Pokémon? Que là, j'aurai un nouveau jeu sur Pokémon, ça va être Pokémon. Pokémon Perle, je vais voir bientôt. Pour les fêtes de Noël. Voilà. Je voulais remercier aussi beaucoup les gens qui me soutiennent à ma chaîne. Je voulais remercier beaucoup les gens qui me suivent. Je sais que j'ai pas, c'est dur pour moi. Pour moi, ça fait 23 ans que je suis, 22 ans et demi que je suis en hôpital. Ça, je sais que c'est dur. Vous allez me dire, tu ne nous as pas dit la vérité quand tu es en hôpital. Je suis vraiment pas dans un hôpital. Je suis dans un foyer médicalisé pour essayer d'avoir un travail, pour m'avoir dans un appartement. J'essaie de faire tout le nécessaire, pour toute la chaîne YouTube. Voilà. Aussi, j'ai essayé d'acheter une casquette. J'aurai des choses de Pokémon la semaine prochaine. Je vous ferai voir ça. Ça m'a vraiment touché de pas vous faire de vidéo toute la parce que de très 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 pas souvent du tout très pas tout souvent du tout pardon. Ça m'a vraiment touché de pas vous faire de vidéo. J'adorais beaucoup de vous faire vidéo, voilà. Et pour vous dire un truc aussi, j'ai mon oncle quand j'ai perdu ma mamie quand je vous ai dit l'an dernier.
J'ai maintenant mon oncle qui est hospitalisé sur Vicambigore parce qu'il est très, 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 très malade sur sa peau. Une fois, quand ma grand-mère est morte, il a eu la grave maladie du Covid. Il a pété son téléphone, il a tout explosé dans son appartement sur Bagnères. C'est ça la vie. Je vous remercie tous. Et si vous voulez, qu'on continue quoi? On continue les cartes Pokémon. On continue les cartes Pokémon de l'année prochaine. Les jeux vidéo et Pokémon Go. Et si vous voulez aussi, je vous ferai peut-être une vidéo bien, bien, bien. C'est sur Fortnite. Vous êtes OK? Je vous dis, grâce à vous, on avance la chaîne. Sur toute, grâce à vous, on avance la chaîne, les gars. Bisous. Et peut-être à demain. Non, à la semaine prochaine. Bisous, bisous.